Le repas de Briange, on le fait depuis les origines. Depuis le début, on fait ce repas une fois par semaine avec un menu unique et une grande table où tout le monde mange ensemble. Donc ça fait 25 ans qu'on le fait. La convivialité, c'est un peu presque la base du camping en fait. C'est vraiment, on plante sa tente un peu n'importe où et puis du coup, comme on est un peu tout seul au milieu de nulle part, on discute avec ses voisins. There are the shared fridges, there are shared barbecue places, there's a lot of sharing. So there's not a lot of throwing away and you can exchange things. I like that. On crée les conditions pour que les clients passent des vacances de façon autonome et il y a des espaces partagés pour qu'ils se rencontrent en dehors de nous. On ne veut pas se mettre en avant. L'apéritif de bienvenue, ce n'est pas un discours qu'on fait, c'est qu'on parle avec les uns ou les autres. Et ce qu'on veut, c'est que les liens se créent, mais presque sans nous. Nous, on est des facilitateurs. It's a really good mixture of privacy and nature. And still the cozy family feeling. So the workshops in the morning, you get together and you meet each other and you do something together and you get some connection. Ce matin, on va faire du cyanotype. Le cyanotype, c'est une technique photographique du 19e siècle. C'est un produit chimique qui devient bleu à la lumière du soleil. Donc on va pouvoir faire des petites compositions comme ça. Je pense que l'idée des ateliers, c'est un peu de créer un moment convivial en famille. Et que presque soit autant adapté aux enfants qu'aux parents. Ça nous permet de découvrir et la nature sur place et de rester en famille et de leur faire découvrir des trucs qu'on n'a pas forcément dans nos régions. Après, en partage, on a fait un nouveau concept où on a séparé les chambres de la salle à manger. Ce qui permet de pouvoir louer une chambre indépendamment des autres et de se retrouver dans une salle à manger à partager un moment avec d'autres. Et ce qu'on a voulu recréer ici, finalement, c'est l'esprit de base du camping, mais avec le confort qu'on retrouve aujourd'hui dans les hébergements actuels. Everybody asked us in Holland, 2 months on the same place, you are not normal. No, we are not normal, but we like, you can live here and you feel comfortably, safe, kind people, the nature, it's good, the Ardèche. We searched for a place, not especially for holiday, but where it is nice to be. Mm-hmm. Yeah, and this is it.